sur lequel j'ai pas forcément le temps de jouer en off. Donc là, on va jouer à Kena Bridge of, Spirit. On va continuer l'aventure parce que je n'ai fait qu'un stream dessus. Donc je me dis autant continuer là tant que j'ai le temps. Comme ça, au moins, on avance sur ce jeu. Hop là. Donc voilà où on en était. Je sais pas si vous avez le son, parce que moi j'ai pas l'impression d'avoir le son du jeu. Je vais regarder juste sur le. Ouais, vous avez le son du jeu, mais moi je l'ai pas. Alors attendez, j'avais eu ce bug là la dernière fois. Comment j'avais réussi à le régler? Peut-être que là. Nickel. Non? Ok, c'est étrange. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas le son du jeu de mon côté? Alors, ça doit certainement venir de ça. Alors, peut-être. Alors, peut-être. Allez. Alors même vous là, vous l'avez plus. Débrancher le câble HDMI. Quel plaisir. Les soucis du direct. Ah ouais, mais attends, ça a même craché sur OBS, mais sur la console ça marche. Vous avez le son du jeu et je n'ai pas le son du jeu. J'avais du son, j'ai bien du son sur mon ordi, sur d'autres choses, mais pas sur ça. Alors, propriété. Ça me fait le même bug hier, mais je ne sais plus comment j'avais réussi à le régler. J'ai toujours rien de mon côté. Alors comment j'avais fait la dernière fois? Hop, désolé, hein, les aléas, les amis. Putain, je pensais pouvoir régler ça assez rapidement. Je sens que ça m'est arrivé la dernière fois et que j'avais réussi à le régler en stream assez rapidement. Je vais supprimer la scène et je vais la refaire au pire. C'est pas ça. Pas fait de dire du capture vidéo. Alors, Media Genix. Parce que bon, je vais pas jouer sans le son quand même, ce serait un peu embêtant. Ah! Oh, j'entends du son. Putain, c'était pénible, mais c'est bon, ça marche. Bon, j'espère que vous êtes toujours là. Je vais essayer de cut ça sur la rediff. J'espère que vous allez bien les amis, le problème de son est réglé. On va pouvoir jouer donc à Kena Bridge of Spirit. Let's go! Et donc continuer notre aventure sur ce jeu. C'est un très beau jeu, hein, ce petit en passant. Alors, on s'était retrouvé là, on devait Oriox en faire un stream là après où je peux rester. Merci pour le resub, mon vieux.
bah nickel, ça me fait le même souci avec l'alerte box, je ne l'entends pas de mon côté, mais je pense que vous l'avez entendu. Donc ouais, il doit avoir certainement un petit souci de mon côté au niveau de ces... des sorties de mes périphériques, faudrait que je reteste ça. Mais j'espère que ça va, toi, en tout cas, mon vieux. Donc oui, un stream l'après-midi, comme je disais, sur Kena, on reprend ce jeu. Donc on devait aller chercher le grand frère de ces deux personnes. Et du coup, on devait aller dans cette direction-là. Alors, que je me rappelle un peu les mécaniques. Okay, ça, c'est un... Je crois que c'est un... J'ai un système de ciblage, mais je peux rien faire avec ça. Je suis au bord du gouffre, mais c'est bientôt les vacances. C'est bientôt les vacances. Le chemin me dit d'aller par là-bas. Attends, pourquoi je marche dans cette zone de merde? Il doit y avoir un petit truc à trouver ici. Attends. Ah oui, c'est ça. Il doit y avoir un petit truc à trouver dans le coin. Le chemin, c'est d'aller par là-bas. Sur le petit chemin, s'il n'y a rien. Oh, il y a des animations de nage. Ah, nager plus vite. Je peux pas sauter dans l'eau. C'est vrai que d'ailleurs, c'est assez bizarre d'avoir des jeux dans lesquels on peut sauter dans l'eau. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte comment il faut jouer contre les lois de la physique pour sauter dans l'eau. Bon, à la limite, se propulser, c'est quelque chose d'un peu possible, mais. Sauter dans l'eau, c'est quand même un peu bizarre. Ah, le son du jeu est un peu trop fort. C'est vrai que je l'avais monté la dernière fois pour... je sais plus quel jeu. Ça doit être un peu mieux, là. Peut-être même le baisser encore un petit peu. Normalement, là, on doit être bien. Ma voix est quand même au-dessus du son du jeu, je pense. Bon, là, il n'y a pas de dialogue pour le coup, mais... Ah ouais, d'accord. Donc là, il y a un gigapont donc, qui est pas ouvert. Ah ouais, là, je suis un peu... Un peu en train de retourner en arrière. Ah bah attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, c'est des ennemis. Okay. Je crois qu'attends, j'avais vu une touche aussi pour plus ou moins me heal, je crois, non? Je sais plus trop. J'avais une mise à jour en fond. Donc super pour la co. Ok, qu'est-ce que ça... Pour pas grand chose. Encore des ennemis. Les ennemis se cachent sous les pierres. Attends, je l'avais baqué. Entre les yeux. Je trouve qu'il doit y avoir beaucoup de trophées sur ce jeu. Ah d'accord, ok. Attends, mais là aussi ça me... C'est une pierre qui respawn ou... Ah non, bah non, tu vois, j'ai bien fait de venir là. Un autre petit roux. Alors je sais plus si je peux voir la progression par zone de combien j'en ai récupéré. Attends, ouais, je peux revoir déjà les coups que j'avais appris. En ce même temps, plusieurs sur R1, ok. Ça, je l'ai débloqué, ça. Ça, c'est le seul esprit que j'ai. Ok. Je sais plus si on peut voir le nombre qu'on a fait par zone. Ah si, regarde, là, il y a écrit que sur la précédente zone, j'en avais eu 3 sur 7. Ah ben non, c'est le chemin. Là, c'est là où je suis, 3 sur 7 seulement. Et là, j'en ai trouvé 3 sur 24 dans le village. Bon, après, le village, c'est une zone où il y a plusieurs zones qui se débloquent au fur et à mesure. Le chemin de la forêt. Ah, il y a un autre truc qui s'appelle des chapeaux, des ceintures. Ok, ouais, il y a pas mal de collectifs quand même à choper dans le jeu pour. Ah, bah tiens, là, il y a un truc là dans l'herbe. Vas-y, cibler ça là. Si, bah, il y a bien un truc. Ah, bah ouais, tiens, il y a un petit gars là. 5-4 points de chaîne atteints. Attends, GG. Ah, putain, je suis passé niveau 2. Les héros peuvent désormais effectuer plus d'actions. C'est-à-dire. Ah
ouais, il faut 150 de karma, j'en ai 115. Ok. Attends, mais là, il y a un truc, là. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'avais pas une touche pour les envoyer ou je ne sais quoi? Ah oui, putain, c'était ça, là. Ah, ça c'est l'appareil photo, c'est la flèche du haut. Je pense que il y a un moment où on débloque un arc. Enfin, j'ai vu des images, je crois que même c'est sur... Ah. Ah bah ouais, tiens, tu vois, il y a encore un truc ici. C'est un jeu qui demande à être exploré, quoi. Mais ah tiens, il y a des marches ici. Bon bah voilà. Ça me donne des points de karma là. Attends, mais ouais, comme ça fait longtemps que j'ai pas joué, je sais plus c'est quoi l'habilité que j'avais débloqué avec eux. Ils peuvent plus ou moins me redonner de la vie, je crois. Bon, ça va nous revenir pendant le combat, j'imagine. En plus, on a mis un bon niveau de difficulté. Ouais, bientôt les vacances du coup pour vous. Je vais essayer de streamer quand même pas mal en journée du coup pour un peu... Ah bah tiens, il y a un autre truc en face là-bas. Pour profiter un petit peu aussi de cette phase de vacances pour peut-être, je sais pas, avoir quelques viewers de plus qui viendront. Je vais poster quelques TikTok d'ailleurs. Enfin, je suis en train de poster un peu plus de TikTok d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner au TikTok, un point d'exclamation TikTok. Ah bah écoute, ouais, je pense que ça sera encore un truc à revenir faire éventuellement avec un arc. Ça risque intéressant en live en plein après-midi. Plus jamais. Non, non, Zuzu, il est à son compte. Il bosse à son compte, donc il y a un peu les conditions de travail qu'il souhaite. Ah oui, là, ça me permet de me TP d'une zone à une autre. Bon, bah, j'ai pas trop besoin d'aller ailleurs. Bah, ça va nickel, hein, écoute. Hein. Ouais, je voulais commencer à 16h, mais j'ai eu un petit mot de crâne vers 15h30. Je me suis dit, je vais faire une petite sieste de 20 minutes. Puis le temps de set un peu le truc et puis de venir en live, bah écoutez, me voici, me voilà. Merde, putain, c'est une zone aussi qui met des dégâts de venir là-dedans. Ouais, bon, il y a l'air de rien avoir dans le coin de plus à faire. Ah, au fond, là-bas, il y a des trucs. Ouais, donc je fais une petite sieste de 15-20 minutes, là, ça m'a fait un peu de bien. Un peu plus en forme. Ok, donc ça c'est peut-être une des prochaines zones que je peux pas encore découvrir, je pense. Donc ça sera pour plus tard, je pense. Ah, il y a un autre chemin là-bas. Mais putain, mais vivement l'arc quoi, parce que il y a plein de trucs qui sont dans les hauteurs là. Ah tiens, il y a un shop ici. La boutique. Ah mais oui, c'est pour personnaliser mes petits bonhommes, là. Putain, mais il est trop stylé, celui-là. Je crois que ces thunes-là ne servent que à ça. Hein. Ah, mais je pourrais changer de stuff aussi. Ah, mais attends, je peux acheter, mais genre sans savoir ce que c'est. Bah écoute, vas-y, on va acheter la première. Hein. Ah non, ok, c'est pas débloqué. Ok, je crois que c'était... paye. Je vous avais demandé de base. Attends, je crois qu'il y avait Midona qui en avait choisi un, toi Zuzu, et je sais plus c'était qui l'autre. C'était, je sais plus qui avait suivi le live. Je crois que c'était peut-être Kedija. Moi j'étais Team Champi. Vas-y, moi je vais m'en choisir un quand même. Team Renard. Non, pas deux. Putain, j'en ai pris deux. Je peux pas faire de retour là. Y a pas moyen de les réassigner. Ah ouais, mais attends, vas-y, j'en ai acheté deux, je vais l'équiper. Bon bah, il y a deux renards. Ouais, on voit pas trop, hein, il est un peu au-dessus de sa tête. Achat Amazon raté? Qu'est-ce qui t'arrive, Rio? Ah oui, non, mais c'est ce que je viens de faire. Ah ouais, mais là, ils font pas de refund. Les salauds. Le fameux Amazon bouton. Mais Amazon, c'est un truc de ouf, t'appuies sur acheter, le truc, ça part vite, hein. Genre, même pas de confi... J'ai l'impression que c'est un des seuls sites en ligne sur lesquels t'as pas de confirmation de lecture. Est-ce que t'en veux un Riox?
Le but c'est de c'est d'être que ce soit les viewers. Bon bah là les deux renards, bon j'ai misclic, après si tu me dis que tu veux un renard, bah écoute tu es renard avec moi. Putain, il y en a tellement, c'est un truc de ouf. Un trèfle, allez. Riox rejoint l'aventure. J'ai un pote qui en avait un jour pour les couches de son gamin, le jour où le chat a joué avec, je vous dis pas. Attends. Qui avait quoi? Attends, ça, c'est pas un truc que je peux péter normalement, où je peux envoyer des personnages dessus? Je sais plus trop. Ah non, ça doit se déverrouiller autrement, j'imagine. Amazon Button. Le fameux. Ah bah voilà, je récupère des thunes. Mais c'est quoi, c'est le bouton quand t'es sur le site, non? Ou y a un autre truc, y a une autre vanne derrière que je n'ai pas saisi. Ouais, donc oui, ça me dit bien que c'est fermé pour l'instant, ce chemin. Je suis toujours dans la zone de... Ah non, l'arbre de tarot. Ouais, mais je suis toujours à... C'est quand même considéré comme la même zone, je pense. Un lieu de méditation aussi que je peux débloquer. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ça marche, bon boulot. Ça permet d'acheter un truc, une seule pression. Ah, ça me dit vaguement quelque chose. Ah oui, ok, ouais, quand t'as des trucs à racheter souvent, ouais, comme des couches par exemple, ça peut être intéressant, mais... Oh le chien! Oh, j'ai pris trop cher! Mais wesh! Ça, il prend pas de dégâts! Hein. Allez, niquez-le! Voilà, bam. Un peu de vie quand même, ça pourrait être pas mal. Petite frayeur. Bon bah je crois qu'on est en chemin pour la nouvelle zone. Y'a rien à faire au niveau de ce genre de sigle là. Attends, logiquement, je pense que je dois passer par le haut. Pourquoi ma manette vibre? Ah, nickel. Un autre petit pote qui va rejoindre l'aventure. Nickel. Je crois que je suis pas censé aller sur ce truc-là. Vas-y, je sais que tu m'as en fond. Au pire, je te redemanderai ça après, mais tu joues à Elden Ring ce soir ou pas? Est-ce que tu m'assistes? Sachant qu'en plus, là, j'ai pas le même build que la dernière fois sur Elden Ring, donc techniquement... Ah, cool, un autre truc, là. Techniquement, ça devrait peut-être se faire, les boss sur lesquels on a galéré. Alors... Pas avant 23h? Ok, bah écoute... J'essaierai sans toi, et puis si t'es là entre temps et que j'ai pas réussi, ce sera le bienvenu. Allez, zou. Direction la suite. Ils disent qu'il faut aller vers la montagne, donc attends, on va aller voir sur ce chemin là, il doit bien y avoir des trucs cachés. Il y a des rocs qui sont dessinés là. Je sais pas si on dit les roues ou les rottes, je me souviens plus ce qu'ils avaient dit dans les cinématiques. Ça c'est juste pour leur redonner une... Non, ça me donne des consommables, j'ai l'impression. Putain, il me faut trop rire à me regarder comme ça. Les pourris, je suppose, donc les roues. J'ai pas trop bien compris. C'est un mot qui existe, c'est pas genre une invention.
Putain, mais voilà, là il y a encore des trucs dans le ciel là. Rotten pourri en anglais. Ah, d'accord. Logique. Une nouvelle zone de TP. On peut se TP directement dans la gorge. Excellent, je ne ferai pas de blague là-dessus. Donc ouais, on est vraiment dans une nouvelle zone là. Donc il y a pas mal de trucs à collecter. Bon, le but, hein, c'est surtout de faire l'histoire principale, hein, le truc collectible. Bon là, vous voyez, j'en fais un petit peu parce que j'aime bien aussi explorer, hein, ce genre de jeu là, parce qu'ils sont super beaux et tout, et ils regorgent de pas mal de trucs. Mais je vous avoue que je vais quand même vous épargner la recherche de collectibles comme sur Breath of the Wild avec les Korogu. Peut-être que je les referai un jour en live. J'ai envie de dire que j'ai le temps d'ici à la sortie du prochain Zelda, mais... je vais pas mal être pris par les nouveaux jeux qui sortent au mois de novembre. Pokémon, déjà précommandé, Pokémon Violet. Il y a aussi Pokémon... Ah putain, je pensais que j'allais pouvoir monter de ce côté-là. Il y a aussi Sony Frontier que j'ai déjà préco. J'ai pas encore préco God of War parce que j'essaie de trouver une bonne petite opportunité. Avec un cadeau de préco sympa. Pour l'instant, j'ai rien vu de très cool, donc... Est-ce que ça vaut le coup que je fasse le tour à la nage? Parce que c'est quand même un peu long la nage dans le jeu. Il n'y a pas vraiment de moyen pour aller plus vite dans la nage. J'ai pas l'impression qu'il y ait de berges. Donc je pense qu'il faut peut-être arriver par un autre endroit. Quoique là, j'ai l'impression que... Enfin, vous allez voir. C'est lisse, on dirait qu'on peut grimper, mais le jeu va pas me permettre de monter. Il connaît ça. C'est un processus de développement. Il vient de faire comprendre que c'est pas possible. J'imagine que même si je vais sur celui-là, c'est pas... C'est pareil. Oui, c'est pareil. Heureusement qu'il n'y a pas de jauge de fatigue. Ah, je vais monter là quand même. Ok, bon, je suis le joueur qui explore trop le jeu, en fait. Pour aller à des endroits où on peut pas aller. Une facelle sur le pont. Non, bon, on va aller voir les deux petits refs, là. Booster's house is so far away. You can see his lookout at the top of the cliffs. Booster's house is so far away. Bah ouais, ouais. Ouais, si c'est la maison qui est là-haut, là, effectivement... Voilà, putain, pardon. Hop. Merde, je voulais remettre l'autofocus, là. Effectivement, ça fait une trotte. Ouais, je pense que c'est par là, parce que là, le pont, bah, il est pété, hein. Le pont, il est pété, donc ça va être pour plus tard. Là-bas, il y a des cascades, mais j'imagine aussi que ce sera pour plus tard. Pourtant, ça a l'air d'être la direction quand même souhaitée quand on voit la montagne. Je pense que si je vais là-bas, c'est juste une grosse perte de temps. Sachant que j'ai un chemin qui va là. Bon, on va vers le chemin. Yes, je t'ai vu. C'est Merde, j'arrive plus à dire le nom. Pas le masque de Majora, mais c'est Skull Kid ou quoi? Ok, une zone bien infestée. Une zone bien ronde qui va abriter des méchants, bien évidemment. C'est vrai qu'il faut que je pète le truc d'abord. Oh putain, je me fais gang. Comment je change le ciblage? Ah oui, c'est comme ça. Non mais... Parce que
Le truc fait spawn à l'infini, mais moi je veux cibler le truc là. On pensait à Groot, les petits bonhommes. Bon, est-ce que je peux... Est-ce que je peux cibler le truc que je veux cibler là où je peux pas? Bon. Pourquoi je peux pas le cibler lui? Voilà. Hop. Ah putain, l'enculé. Oh! Putain, alors je veux bien que je sois dans un mode un peu expert et tout, mais bon. Les dégâts quand même, ils sont un petit peu... C'est pas un truc de soin ça là? Non, c'est pas un truc de soin. Je suis mort. La barre de heal est pas très... Putain, pas prendre de hit sur ces trash là. Ah mais putain! Voilà, putain, je peux enfin le cibler. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça. Le ciblage était pas terrible, hein, pour le coup. Tu vois, j'essaie de cibler ça depuis tout à l'heure et... Attends, sur quoi j'ai pris un dégât, là? Ah, putain, sur ça, là-bas. Je crois que ça c'est une zone de TP mais je peux pas encore l'activer. Oh putain, je me suis pris la montée, j'ai pas pu esquiver et casser les couilles. Hop. Ok, nickel. C'est bon, là je récupère de la vie. Ouais, c'est le côté un peu cel shading, j'avoue. Mais le jeu, je le trouve quand même plus rigide qu'un Breath of the Wild. Puis le côté exploration. Beaucoup de verdure, j'avoue que ça fait penser à Breath of the Wild. Je pense qu'il y a une bonne inspiration, mais le jeu quand même sait se distinguer, je trouve. Enfin, et puis contrairement à Breath of the Wild, sur Breath of the Wild, t'as plein de manières de gagner contre... Enfin, un combat, tu vois. Je veux pas dire que c'est pas le cas, mais là pour le moment j'ai qu'un seul objet. Mais c'est... un peu limité. Ah, attends, faut que je déplace ça quelque part. Alors, est-ce qu'il faut le déplacer? J'ai bien envie de vous dire où, les gars, mais je sais pas trop où. Ah, peut-être sur cette stèle-là. Ouais. On va mettre ça là, on va aller voir. Yo, Itrafi, ça va ou quoi? Ça fait un bail, mon vieux. Quoi de neuf?
Let's go, c'était ça qu'il fallait faire. Enfin, je crois. Oh, ça là. Ah, mais bien sûr que si! Grâce à cette technique! Heureusement que j'ai le point d'exclamation sub qui ne marche pas, putain! Ça marche pas. Normalement, c'est possible, mais il faut prendre un lien pour le faire. Avec téléphone, ça bug toujours. Ouais, ce soir, je stream sur Elden Ring. En même temps, je ne suis pas connecté sur ce stream-là depuis longtemps. Attends. Je vais voir s'il marche là. Ça devrait peut-être marcher maintenant. Tous les modules. Twitch. Mes commandes. Normalement, ça devrait marcher peut-être là. Pas pourquoi les commandes ne marchent pas. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression que moi, il y a toujours un truc qui va bugger. Alors que. Alors que je ne fais pas de modif de. Il y a pas mal de trucs sur lesquels je fais pas de modif. Et ça bug quand même. C'est vrai que dans le chat, vous n'avez pas eu un seul message du bot. Un peu bizarre. Pourtant, il est toujours bien activé. Outil de modération. Streamlabs est bien toujours dans les trucs activés, c'est un peu curieux. Bah ouais, slash mode Streamlabs, mais il est toujours. Streamlabs est bien modérateur de cette chaîne. Bon, ça va se remettre à marcher à un moment ou un autre. Ah putain, j'adore ça aussi, ces animations-là qui se mettent toutes seules quand t'arrêtes de jouer. Je kiffe trop, enfin, c'est des petits détails à la con, mais c'est quand même sympa, je trouve. Tiens, bah, y a un truc là. Un nouveau petit pote. Elle rejoint l'aventure. Je crois que je passe à côté de rien dans cette zone. Allez. La suite. One of Tara's memories. I should see where it leads me. Ok. Alors, il y aura un truc spécial en coin. Je peux pas monter jusque-là. En fait, le lien vous permet normalement de sub via téléphone. C'est juste qu'il faut bien cocher. Et mettre que vous utilisez votre Prime. Je comprends pas pourquoi Twitch ne permet pas d'utiliser le Prime sur téléphone. Ça fait quand même des années que c'est disponible le Prime et ils ont jamais fait de mise à jour pour ça. Et c'est pareil si tu veux sub, c'est un système de points sur téléphone ou je sais pas quoi. Plus trop à quoi me sert le masque déjà. Allez, nickel, on monte. Ah, et si je descends, je redescends là où j'étais tout à l'heure. Très bien, aucun intérêt. Alors, un petit truc ici. Ok, c'est plus dans l'autre sens que ça doit être pris. Stylé. Le genre de serre en fond là. Je me mets les casser. Ça marche. Attends, les dessins sont vraiment beaux, c'est dingue. Ça vaut le coup que je mette ma light d'ailleurs. Oh, ça va, vous me voyez quand même assez bien. J'ai pas besoin d'avoir ma light.
Ah oui, putain, c'est vrai que je peux faire un truc avec ça déjà. C'est pas la même forme que la dernière fois. Ah oui, c'est pour casser ces trucs-là, c'est vrai. Ok, il y a encore d'autres trucs. Ça, je peux avancer en même temps, mais jouer avec les deux joysticks, c'est pas très pratique, je vous avoue. Ça, le genre de zone de méditation. La musique qui s'accentue un peu là, c'est sympa. Je sais pas si au niveau de ma voix on est toujours bien ou si le son couvre pas mal, parce que je vous avoue que au vu de l'augmentation, ah ça doit être... Attends, non, c'est pas par là d'où je viens. Si, attends, on est arrivé, on a vu ça au milieu. Donc là, la voix de gauche, elle est plus ou moins libérée, je pense. Il y a rien d'autre à faire ici. Quand même, on y revenant. Là, la dernière fois, il avait pas cette forme-là, le truc qu'on a, là, qu'on dirige. Ah merde, putain, je suis con. Bref, c'est pas grave. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire ici. Faut certainement monter maintenant. Donc je vais le prendre avec moi. Non, je pense qu'il y a... Ah putain, ça fait une descente aussi là. Ah d'accord, ok, c'est ça la fameuse descente de tout à l'heure. On va trouver le moyen de monter. Ça va être une zone de parcours. Je pense qu'il y aura des trucs cachés un petit peu partout. Là, c'est que des zones où c'est un peu pentu, donc je glisserai tout le temps. Donc je suis obligé de monter comme ça. Donc c'est sûr qu'il y a des moments où il faudra que je glisse exprès pour aller récupérer un objet ou un rot ou un roux. Je sais toujours pas comment prendre ça. En plus la pente elle est pas ouf en vrai, enfin moi tu me mets là je glisse pas quoi. Parce que là la zone là je suis pas allé ici là. Je pense qu'il doit y avoir un truc ici. Je peux pas sauter. Ah si, je peux. Un petit pote qui se trouvait là. Logiquement, refaire un retour en arrière. Il va falloir que je remonte quand même de l'autre côté. Enfin, par là. Allez. Nickel. Petit renfoncement ici. Qu'est-ce qu'on a là? Les petites fleurs. Hop, allez bouffer les refs. C'est pas des points de karma là que je gagne quand je récupère ces trucs là?
je peux débloquer ça du coup. Appuyez sur R2 en plein saut pour faire activer une attaque aérienne. Ah bah voilà, ça c'est cool ça. Je peux débloquer ça aussi. Appuyez sur R1 après une parade. J'aime plus comment on part un coup. Ah, c'est avec le bouclier. Putain, mais oui, j'ai un bouclier quand même. Quand je m'attirais là. Ok, voilà les différents coups que j'ai pour l'instant. What's wrong with Russo's house? The trees look funny. Let's keep going. Ok, donc le truc que j'avais trouvé tout à l'heure, c'est un sanctuaire de fleurs, j'imagine. Ok, donc ils ont dit que ouais, c'était bizarre là-bas. Ok, donc là, il y a de la glissade. Pour aller où? Parce que là il y a des trucs en face, mais ok, je pense que il va falloir grimper quelque part là-bas pour escalader la montagne. Je crois que là je suis obligé de descendre. Parce que là j'ai jamais assez de distance pour pouvoir aller jusque là-bas. Gentiment descendre par là. Essayer de rien louper. Oh merde. Ok. Je pensais pas que c'était un chemin qui menait à une fin. Je me suis dit, ah putain, ça doit être un chemin où il y a un truc à débloquer. Pas du tout, non. Là, je peux mourir à tout moment. Enfin, là, c'est sûr, là en bas, c'est ciao bye. J'ai l'impression qu'en malgré tout, il y a quand même des zones où... Il y a des trucs à aller chercher dans le coin et ça me stresse. C'est soit tu meurs, soit tu récupères un truc. Ah ok, je dois peut-être faire le tour, effectivement. Il va monter sur le côté et remonter. C'est pas comme sur Zelda, parce que Zelda t'as quand même un peu la pression de l'endurance et tout. Là je peux rester accroché le temps que je veux, donc si ouais, il y a des trucs à accrocher en face. Enfin des trucs pour s'accrocher en face. Là, de ce côté-là, c'est la mort assurée. Alors. Ouais, je pense qu'il faut descendre. Qui saute. Et au bout. Allez, et maintenant, toujours pas aller en face, c'est un peu compliqué quand même, certainement pas ici, et là encore sur le mur en face. Attends, regarde, il y a plusieurs chemins. Oh. D'abord aller sur le... Non, parce que je crois que... Non. Je crois que le but est de traverser le passage, donc logiquement le truc annexe doit être ici. Qu'est-ce que vous en pensez?
Peut-être pas, parce que là, ça a l'air de me ramener de l'autre côté, là-bas. Non, je pense pas, en fait. Plaque-t-elle bientôt? Ça va ou quoi, Nitranco? Pas du tout, je t'avoue. J'en ai juste un petit peu entendu parler, mais pas du tout. Là, mes jeux à venir pour novembre, c'est God of War, Pokémon et Sonic Frontier. Et là, pour l'instant, bah écoute, je suis sur le let's play de Kena. Ah, voilà. C'est là, en fait, le truc à choper. Courrier des esprits ramassés. Ah, putain, c'est les trucs qu'il faut livrer dans le village. Et après. C'est bizarre le bruit là. Et je dois finir Elden Ring aussi. Ouais. C'est quoi comme type de jeu, Plague Tale? J'ai vite fait aperçu, mais je. J'ai pas le souvenir. Oh non! Oh! Alors, hop. Je suis con, faut que j'aille en haut là encore. Tu prévois de streamer toi depuis ou pas? Ou t'as toujours pas repris? Enfin, tu comptes pas reprendre pour l'instant? Ah ouais? Ah, faudrait que je m'intéresse, que j'aille regarder du gameplay un peu, histoire de me donner une idée. Putain, mais monte! Sans moi. On va délaisser. Hop. T'avais fait toi Elden Ring ou pas du tout? Parce que je sais que toi à l'époque tu m'avais fait. C'était pas Bloodborne qu'on avait essayé à l'époque chez toi avec Pierrot? Ou je sais plus quel jeu. Je sais que tu m'avais fait. Tu nous avais montré déjà un From Software à l'époque. Mais quel jeu c'était? J'arrive plus à mon souvenir. Il y a longtemps. T'es chaud, t'es chaud. Moi j'avoue que j'ai commencé un peu tard. J'ai pas acheté le jeu à sa sortie parce que j'avais mis ça en sub-goal. Et je vais commencer que cet été. Et oui, je suis là. Oh non, comme par hasard. Comme par hasard. Allez, ref. Boulot, boulot. Ah oui, mais toi t'aimes la difficulté. Ah, faut que j'aille vite. Ça pue. Hein. Oh putain! Ah ouais, fallait vraiment que j'aille vite, quoi. Là, je m'attendais pas à ce qu'il fallait que je saute. This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. Eh bien, allons vers la forêt infestée. Enfin, infectée plutôt. Attends, on dirait des Murdoch. Des Murloc, pardon. Des Murdoch. On dirait un gars qui a jamais joué à World of Warcraft. Petit village un peu en peine, hein, ici. Hein. Le jeu est beaucoup trop beau, hein. C'est. Nouvelle zone de TP. J'ai un courrier à donner, je sais pas si je le fais maintenant, je pense que je le ferai plus tard. Bon, de quel côté aller? Je crois que c'est. La minimap, on me dit de quel côté. Je crois que c'est plus à gauche. Hein. Ah non, mais non, j'ai tout ça à parcourir. Ok. J'avoue que moi, c'était mon premier From Software et. Bon, on verra plus tard. J'ai pas encore fini celui-là, donc je peux pas encore dire si je reprendrai un autre. Oh.
Oh merde, putain. Oula. Allez hop, dans sa gueule. Ah oui, parce que j'ai lancé mes trucs là et j'ai pas fait péter les trucs. Hop, nickel. Putain, mais normalement c'est pas après une parade je dois la timer, je sais pas trop. Je pensais que ça allait pouvoir faire une AOE ce truc là, mais pas du tout. Oui. Ah non, je suis pas plein de la difficulté, non? Si? Ah. Un rêve de plus, non? Ah putain, non, encore un truc que je dois déplacer. Bon, ça va où, ça? Peut-être au milieu de ça, là? Non, c'est pas là. Alors, où est-ce que ça peut bien aller, ce truc-là? Ah bah, au milieu de ça, peut-être? Ah non. Ça me dit pas trop où le petit rocher doit aller. Ah si, c'était peut-être ça, en fin de compte. Je vais juste le mettre à une place comme ça et lancer ça. Ah, sûrement. Où est-ce que j'en suis dans Elden Ring? Je suis à la cité de... Je suis dans les sous-sols, là. Les souterrains. J'ai oublié le nom de la cité. Et du coup, j'y suis ce soir. Enfin, ce soir, je dois aller là. J'ai oublié le nom. Nécre quelque chose. Nocron, pardon. Rani la sorcière, effectivement. Putain, j'étais en train de lire le chat. Oh. Est-ce que ça sentirait pas la salle de boss? Ah oh putain, c'est Kappa. Le fameux Kappa. Oh. Oh pas, putain, j'ai pas la possibilité de l'attaquer là encore. Ok, donc logiquement là il va revenir là, c'est ça? Non, c'est là-bas. Ok, donc je pense que c'est peut-être pas comme ça que je dois le tuer. Je dois d'abord clear les trashs, avoir mes petits bonhommes, et puis lui lancer sur la gueule, je pense. Pour l'immobiliser, ça doit être une carrière comme ça, je pense. Oui. Voilà. Donc là, normalement... Voilà. Ok, je vais pouvoir l'immobiliser et l'attaquer. Waouh, ok. Il a pas apprécié. Oh, oui, c'est ça. C'est clairement ça, la technique. Plus sa mère, hein.
Ils sont où les trash là? Ah oui d'accord, ils pop avec les trucs qu'ils jettent en fait. Voilà, ok. Putain, je peux mettre que 2 hits, faut que j'arrête de faire le con. Hein. Ah putain, il est chiant. Ah putain, attends, il est en haut là? Ok. Même pas qu'il pouvait venir en haut. J'ai mis mon shield. Oula. Bah il prenait un peu cher mon shield. Ah j'avais pas vu que j'avais une barre de shield en bas à gauche. Ok. Ah il est en P2 là en fait. Si on peut dire. Ok c'est bon. Où est-ce qu'il est? Wow, ils font quoi eux là? Oh GG, well played, first try. Un garret de la nudité, double katana. Non, attends. Il y a les vidéos sur ma chaîne de VOD. Mais là, de toute façon, on va continuer. On va continuer ce soir à 21h. Ça va bien se passer. Putain, mais Itranco, j'avais oublié que t'avais le badge fondateur carrément. Quel grand héros de cette chaîne. Mais là, ça va me faire monter de ouf là. Putain mais j'ai pas assez visité le village. J'ai l'impression d'avoir bâclé le chemin, genre je m'étais dit ouais c'est peut-être par là. Oh mais c'est trop bien ce jeu, que Zelda s'en inspire bordel. Regardez, je peux afficher ce qui a été ramassé. Et donc là, je peux voir les petits bonhommes, donc ce qui est équivalent un peu au Korogu. Bah non, parce que là, il y en a vraiment une utilité dans le jeu. Et bah, je peux voir où je les ai ramassés. Donc ça veut dire que si demain, je me dis, tiens, je veux faire le 100%, et bah, bam, à côté, je me mets une carte sur lesquelles je les ai pas trouvés, et je peux voir ceux que j'ai déjà trouvés. Putain. C'est tout con, mais c'est trop pratique. Mais ça sera pas présent dans le prochain Zelda, je vous le dis direct. Vous allez me remettre ça debout, s'il vous plaît. Isranko, ça a testé un peu Overwatch ou pas? Enfin, Overwatch 2. Je t'avoue que j'avais jamais joué à Overwatch avant et bah comme c'est gratos, j'y ai joué et je kiffe. Et je regrette un peu de ne pas y avoir joué plus tôt. Parce que maintenant, il n'y a plus de lootbox et du coup, je peux pas avoir de skin, mis à part en mettant 15 balles dans le jeu. De jeu. Bah après, là, j'avoue que c'est plus du multi. Hein. Oui, bah la plupart du temps, nous, on y joue entre potes. Bah avec Zuzu, la plupart du temps. Ça m'arrive de lancer des games comme ça un peu en solo, mais je suis pas encore en classé, donc ça me fait juste specs pour l'instant et pour éventuellement débloquer et classer un de ces quatre. On arrive en haut de la montagne. Non, moi ça me semblait tellement loin, en fait il y avait un giga ascenseur quoi. C'est un hibou. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. Il va me donner son masque lui aussi ou quoi? Il devenait plus fort et puissant dans son énergie, et les terres étaient autrefois en parfait équilibre.
Mais comme toutes les choses, le sanctuaire de la montagne suit un cycle naturel, un cycle que notre village a eu du mal à comprendre. Alors que le pouvoir du sanctuaire a commencé à s'estomper, une famine dévastatrice a frappé notre village. Taro a perdu ses parents et il devait prendre soin de Benny et Saya. J'aurais dû faire plus d'efforts pour aider Taro. À présent, je ne peux que garder son esprit se débattre. Ah oui, bah ça c'est le meilleur clip pour l'instant. J'ai sorti quelques clips d'ailleurs, je les ai mis sur TikTok. Enfin, j'en ai mis un au moins sur TikTok déjà. Oh putain, il a un arc. Je sais qu'on va avoir un arc à un moment. Dis-moi que tu donnes l'arc. En fait, faut qu'il meure, comme ça on prend son arc et son masque. But I can teach you a new way to fight it back. Il stylé son masque en vrai. To a trained archer, the bow is... Un archer aguerri, l'arc n'est qu'une extension de son corps. Breath of the Wild. Le bâton d'un guide des esprits n'a rien de différent. Eh bah écoute, sur mon premier gros boss, ça m'arrive. What else? Ouais bah c'est normal. Là depuis, j'utilise très peu mes invoques quand même. Ah, j'invoque un arc à partir de mon bâton. Putain la vache, le gars il m'a juste dit j'ai un arc, fais comme ça. Alors qu'il utilise même pas la même arme, il utilise vraiment un arc lambda. C'est insane. Ça double la vitesse des boss. Je savais pas du tout ça. N'hésitez pas à vous entraîner dans les autres postes que j'ai mis en place. Oh oui, un entraînement. Appuyez maintenant sur L2 pour viser, tout en maintenant L2. Appuyez, relâchez R2 pour tirer une flèche. Simplement. Oh, le retour haptique. Oh les gars, oh putain, c'est... Je sais pas si vous allez entendre. La manette, elle fait vraiment... J'espère que je vous ai pas niqué l'oreille. Hein. C'est vraiment comme le bruit d'un arc qui se bande, c'est ouf. Rogier a fait 40% pour 80% du DPS. Ça, la VOD en jugera par elle-même. Ok, oui, c'est la même chose, y a rien de spécial à faire, quoi. Ok, ça se recharge, ouais, toutes les 1... 1, 2, 3, 4... Toutes les 4 secondes, ok. Fact-check moi si tu veux. J'oserais pas. Donc là au niveau des améliorations, je peux améliorer les trucs par rapport à mon arc. Karma supplémentaire requis, appuyez sur R3 tout en bandant votre arc pour ralentir brièvement le temps. Insane. Insane. Les parades, c'est vraiment des trucs que je fais quasiment jamais. Hein. Plus santé, plus du bouclier, courage de parade. Ah, ok. Et du coup, il y aura encore un truc à choper après. Putain, c'est cool, là. Et maintenant? What's the following of the quest? What's next, guys? Parce que bon, on a quand même votre ref à aller chercher, hein, j'ai envie de vous dire. Ah,
Y a un truc derrière lui ou quoi? Ouf. Les fulgurances. Non mais y a pas de. Et maintenant, faut retourner là-bas. Ok. Bon bah ouais, plus qu'à se barrer. Ah mais attends, ouais, j'ai pas tout exploré dans le coin. Oh, le bel arbre. Focus is critical. Fully draw the bow and your arrows will be more powerful. Pull the lever to drop the targets. See if you can hit them before they reset. Over there. Oh, il a vraiment mis des trucs un peu partout, quoi. Not bad. There are... Over there. On va les faire, je pense qu'il doit avoir un... Un petit défi à... Enfin... Il doit certainement y avoir un petit... Un truc sympa à récupérer, là. Peut-être un petit trophée. Ah attends, ça a activé ça. Attends, mais pour aller où? Alors, si j'ai ça, c'est qu'il faut que j'utilise quelque part, mais où? Putain, désolé, la caméra là, c'est pas ouf quand on utilise ce truc là. Hein. Ah oui, bah ici. You'll need to move quickly for this one. Follow the path and hit all six targets before time. Ready? Oula. Go. Putain, merde. C'est pas où? C'est pas où? Il est où la suite du chemin? Putain. Ah, c'était là-bas. Ok, bon, on va recommencer. Hein. On a des fruits du dragon. C'est ce qu'il se passe, ce truc là. Ah non, il y a un truc qui était tombé, j'avais pas vu. Attends, je commence à être un peu sombre là. Hop. Attends, je vais retourner à l'atelier de tout à l'heure là. Oh, en même temps, on me dit, ouais, oh, il y a un parcours, mais dis-moi le parcours, mon ref. Alors, oui, j'ai compris. Ready, go. Oh, trop rapide. Oh.
Ouais, merci, merci. Bon, alors ça, on les a fait. Et du coup, là, on a aussi un truc à faire ici. Tiens, sur le tourniquot, peint pour commencer, vise vite et touche les... le tout en plein air. C'est quoi le tourniquot? C'est ça? Tirer sur le tournicoco. C'est quoi le tournicoco? Ah ok. En fait, il n'y en avait qu'un seul qui avait une cible. Ok. Attends, je vais pas parler là après la course tout à l'heure. Not bad. Good footwork. Putain, bon bah je le refais. Je sais pas si ça va aller le coup de leur parler, mais. J'attends pas assez, je pense, des fois. J'ai perdu 10 secondes sur une cible. Oh merde, putain, j'ai mis ce clic. Là, elle est où la dernière déjà? Oh, quasiment sur le buzzer. Nick. Attends, lui, il m'a dit quoi tout à l'heure? Il m'a dit quoi là tout à l'heure quand j'étais venu le voir ici? Non, putain. Not bad. There are other challenges on. Je sais pas combien il y en a. Attends, il y a combien de chemins potentiels? Alors, là je suis allé là. Là. Je crois que c'est le truc que j'ai fait au fond. Là, c'est le genre de tour que j'ai fait. Mais il y a l'air d'avoir un truc quand même derrière. Oui, oui, effectivement, il y a un truc ici que j'ai pas fait. Il y a même un chariot de chapeau. Est-ce qu'on a trouvé un nouveau chapeau? Eh ben pas du tout, on a toujours les mêmes chapeaux. Toutes les cibles, il y a 3 niveaux de difficulté. J'attends de récupérer toutes mes flèches, sinon je vais me faire avoir. Comme là. Zinzin, mesdames et messieurs. Nouveau chapeau. Et ben voilà. Donc je pense que là j'ai fini tous ces trucs. Choose your shots wisely. Firing too quickly will drain the staff's energy. You'll lose time waiting for it to recharge. Ah, il y a un truc là.
Ah, marrant celui-là. 500! Ouais, j'en prends un. Bon, je crois que j'ai fait le tour, vu que j'ai débloqué un chapeau, j'imagine. Donc ouais, là c'était le cul-de-sac, là c'était ça. Puis on va essayer d'aller par là-bas, on va bien voir, mais je pense que j'ai tout fait. Ah, peut-être pas, en fait. Manifestations of corruption patrol the path ahead. Your bow should help clear the way. Bah, je dois peut-être le tuer avant. Enfin, ou tous les tuer avant, peut-être. Ah putain, il fait chier, lui. Allez. Ah oui, d'accord, c'était le mécanisme qui bloquait. EZ. Ah tiens, on a un truc à faire ici. C'est mignon. Les Kitsune qui regardent vers l'horizon. D'ailleurs, je crois que j'ai assez de niveau pour pouvoir monter une de mes capacités. Plus de santé dans le bouclier, j'avoue que je m'en carre un peu le cul pour l'instant. On va prendre ça, hein, ouais. Faut que je pense R3 pour ralentir le temps. Ok. Moi, je pense qu'on a fait le tour, on a rien loupé. TP qui est dispo. Ah ok, c'est le chemin qui nous permet de redescendre dans la ville. This broken path leads to my house. The corruption there is powerful. Be careful, Kena. Ok. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Du parcours. On va juste je tire avec ma flèche là peut-être. Oh mais c'est stylé ça. Reposez-vous ici, concentrez-vous pour augmenter définitivement votre santé maximum. Ah, c'est donc ça les points de méditation, enfin les zones de méditation. Très stylé. Faites de la méditation, les gars, vous allez augmenter vos HP, IRL aussi. Ah d'accord, et du coup je dois utiliser ces trucs là pour me... Ils font comme un effet de grabin, c'est stylé ça.
Très sympa comme mécanique. Les rots possèdent un grand pouvoir. J'utilise la bonne notion, ils pourraient même imprégner vos flèches d'énergie. Ah bon? T'as un petit truc là? Ah ok, c'est bon, ça y est plus. Ah putain, je voulais aller là-haut là. Pas par ici, semblerait-il. Bonjour. Oh le bâtard. Putain, j'ai même pas le temps de lui tirer dessus. Je vais pouvoir les cibler quand même, non? Oh là! Oh la chatte qu'il y a! Ah. Ah les zoos. Attends, ça le bump à chaque fois que je fais mon move. Oh là. Bon, là je prends cher. Oh la roulade. Beaucoup trop tôt. Oh oui. Oh putain, j'ai pas esquivé au bon endroit, tu te fous de moi. Oh, je dois tout redescendre. Mon poil de Henrik, clairement. Bon, on peut passer, on l'a vu ça tout à l'heure. Hop. Bon, les deux Skull Kids, là, on va les fumer. Ok, je dis ça, je m'en suis pris une belle. Je le vois, ce l'autre là? Putain, il fait chier. Ouais, l'autre, je l'ai OS, je crois. Chier, allez. Oh, ça me dans le cul. Ça dégage. Oh, il y en a plus que tout à l'heure, non? Je savais pas qu'il y en avait autant au final. Allez, je suis le gros méchant. Faut pas que je me fasse chier à utiliser mon arc, je pense. Hein. Oh bah super, putain! Mais quoi? Je savais pas qu'il avait un move comme ça! Non mais...
C'était pas dans son pattern tout à l'heure, voilà. Je suis trop nul, putain. Ah, je suis pas mort. Oh, du soin. Ah non, c'est pas du soin, c'est... Putain. Oh. Bon. On va se concentrer, on va arrêter de faire le kéké. Oh mais oui. Yes. Attends, j'ai réussi à faire ça là, tout à l'heure j'y arrivais pas. Ah, en fait c'est bien à ce moment là qu'il faut le faire. J'ai bien fait de prendre cette habilité. Recharge, nouvelle pierre de charme disponible. Et ben voilà, j'avais pas de charme, c'est quoi ça? Énergie de bouclier pleinement restaurée lors d'une parade. Bah ouais, on prend. Eh ben nickel. Pourquoi j'ai bien fait de mourir? Pierre de charme. Les pierres de charme sont cachées partout dans le monde. Vous pouvez en gagner en terminant des épreuves au sanctuaire des masques. Équipez les pierres de charme pour augmenter les capacités de Kenna, lui conférant des avantages uniques au combat. Ah nickel, j'ai trouvé moi-même, hein, vous en faites pas. Alors on va repasser encore. On évite de perdre de la vie sur les trash. Voilà, suffire que je le dise. Mais putain, mais c'est un truc de ouf, comment ça il a eu le temps de tirer là? Oh bah genre. Attends, mais je pouvais utiliser les rods derrière là, sur quoi? Quel intérêt d'avoir fait ça? Oh, la double esquive. Putain, je me fais avoir pareil que tout à l'heure là. J'esquive pas du bon côté en fait. Oh putain, mais non, mais. C'est la même chose que Elden Ring, il faut esquiver vers lui. Et moi, à chaque fois, j'esquive sur le côté et forcément, avec son allonge, il arrive à me toucher. Attends, c'est beaucoup trop stylé. Attends, c'est la première fois sur ce jeu là que je galère sur un boss quand même. Oula. Bon, après j'ai pas mis un des niveaux. Ah, je crois que j'ai mis le plus gros niveau de difficulté hein. Pour avoir quand même un peu de défi. Pas réussi à le tuer. Ok, là il est mort. Je sais pas à quoi servent les... Oh, les plantes bleues là qui sont là. Je sais pas si ça vaut le coup de les libérer ou quoi. L'avant-dernier. Ah oui, le dernier était bloqué. Okay. Ouais, je pense que c'est celui du New Game Plus, le dernier. Putain! Voilà.
Oh non, j'ai esquivé trop tôt, putain. Non, putain, je suis trop con. Oh là, c'est bon. Oh putain. Oh, vas-y. Putain. Oh, mais j'ai appuyé rond au moment où il l'a lâché. Oh, son boomerang là, il casse les couilles. Hein. Non, pas forcément, mais je fais plus de dégâts et je me dis que... Au mieux que je tape un bon coup, après j'avoue, je pourrais faire des... Je vais faire des enchaînements avec des petits coups. Je me dis que comme il est stunt, peut-être en profiter et puis ça peut... Ça a tendance à lui mettre un genre de knockback quand je le touche. Ça avait reset certaines de ses animes justement et ça avait évité qu'il me touche. Ouais, d'accord, je vois. Ça paraît logique vu que je viens de débloquer l'arc. Putain, mais... Ouais, il est sympa en vrai, hein. Il est pas à dire. Oh bah super! Putain, j'arrive pas à tirer mes flèches à chaque fois, je... Putain, je reste dans la zone de merde là, je suis trop con moi. Non, non, non. Oh là. J'essaie de taper sur le truc jaune qu'il avait là, mais j'ai pas réussi, putain. Oh putain! Oh yes! Bah moi je l'ai eu sur ses discounts ma PS5. Là en soi, ça commence à être beaucoup plus simple de réussir à en avoir une. Moi j'avais réussi à acheter sur ces discounts, j'avais pris un pack avec Horizon. Mais comme j'ai pas fait le premier, je l'ai renvoyé. Et le prix de vente du jeu était à 80 balles limite, donc je l'ai renvoyé pour me faire rembourser. Et j'avais une manette aussi en plus, mais je l'ai renvoyé. Une manette rose et comme... un genre de fuchsia, donc j'ai tout renvoyé les accessoires, j'avais même eu le casque. Moi, ça upgrade mon masque. Et puis nous, on a nettoyé sa baraque, il doit être content.
Ouais, c'est chiant, ouais. J'avais plus de 800 balles, quoi, le total, c'était un peu relou. En plus, j'ai dû payer les frais de, de renvoi. Bon, c'était pas très élevé, mais c'est chiant, quoi. De visuel, faut essayer d'avoir. Consommé par les problèmes de notre village, j'ai été... Je n'étais pas présent pour Taro lorsque il avait le plus besoin de moi. J'espère que nous pourrons lui apporter la paix. Plus de reliques sont cachées dans la corruption qui découvre la qui recouvre la forêt oubliée. Je vous attendrai là-bas. Couteau de Taro. Oh là bah attends, il y a tous mes petits potes qui arrivent. Ouais, il doit y avoir des trucs à fouiller dans sa baraque, j'imagine. Toujours aller fouiller chez les gens. Yes, ça marche Nitranco. La bise, passe une bonne soirée aussi. On a fait le tour de la baraque, hein, je pense. Ah, il y a un truc à ramener ici. Ah oui, bah oui, la pierre qui est là-bas, là, que j'avais pu prendre. Allez les gars, on se bouge. Mes Pikmin. C'est pas ça? C'est pas ça. Ah putain, bah oui, il y a un truc à faire avec ça. Avec ce truc là. Peut-être pas. Ah oui, je peux faire pousser les plantes ici. C'est pas que pour ça. Ah si, là, il y a un petit type là. Over there.
Ah oh, putain, ça... Ah mais voilà, c'est ça le truc dont j'ai besoin là. À mettre là-bas là. Ça, on va enlever ça après. Oh putain, mais merde. J'ai fait de la merde, hop. Certainement être ça. Par contre, la petite pierre, j'ai toujours pas compris ce à quoi elle servait. Tout à l'heure, je sais pas si ça avait vraiment une utilité. Tout à l'heure, quand j'ai tout ouvert là-bas. Et bah oui, c'était bien ça. Nickel. Bon, ça, faut trouver la place de ça parce que c'est pas possible qu'on le laisse comme ça. Que c'était bien le truc qui était là en fait. Hein. Ah merde, ils l'ont lâché. C'est ça là en attendant. C'est pas que ce soit un endroit, enfin un truc qui faille vraiment déplacer en fin de compte. Aussi on a un champ à... On a un genre de petit champ à faire pousser je pense. Là, allez faisons pousser un peu le tout. Que j'ai tout fait pousser. Oui, mais là il y a rien de spécial comme interaction, c'est bizarre. Normalement il y a toujours un truc spécial qui se passe quand c'est comme ça. La caméra elle gère pas trop bien le double déplacement. Hein. S'accrocher ici. Il y a rien de spécial à faire là. Attends, là il y a des trucs. Non, même pas. Ok. Ah
Allez, ça graille, ça graille. Ah, un petit coffre ici. Ah, une nouvelle déco, une genre de petite fleur bleue. Force rétablie. Ah non, c'est une pierre de charme. Augmente considérablement les dégâts du bâton pendant 10 secondes après l'utilisation d'une fleur de santé. La fleur de santé confère plus de santé. Ah, le problème c'est que... J'en vois quasiment jamais moi des fleurs de santé, je crois que j'en ai pas dans mon mode de jeu parce qu'il est trop... Ah, je crois. Ah, pas mal ça. Je crois que justement dans mon mode de jeu j'ai pas de trucs comme ça. Ce truc de soin, je regagne que de la vie après un combat. Faut qu'on aille par là, logiquement, donc on va essayer de voir ce qu'il y a derrière. Allez, un petit truc. Ah oui, bah c'est là où tout à l'heure on était là, là, et il y avait que le pont était et le pont est cassé. Ok. Oh là. Oh, le bug de sprite. On peut aller voir ce qu'il y a par là-bas là. Je pense que je peux peut-être monter là ici. Ok, je peux monter, mais bon. De l'autre côté, normalement, je pourrais me faire un truc avec mon arc, mais... Ah, tout à l'heure, j'avais vu ce truc-là, ici. Depuis le haut. J'avais pas fait le rapprochement. Nickel. Quand on était en train d'escalader, ouais, j'avais vu la petite lanterne, je me suis dit, il doit y avoir un truc ici. J'avais pas capté que c'était le chemin que j'avais vu au loin, que j'avais pas voulu prendre. Ok. Bonjour. C'est moi, on dirait qu'il y a une caverne là-bas. Non, c'est juste un renfoncement dans la pierre, mais ça a pas l'air d'être une caverne. Non, non, non. Alors. Faut que je vois comment je peux monter justement via via le grappin, parce que la fleur elle a pas l'air de s'ouvrir d'ici. Peut-être si je me mets au bord là-bas. Ah oui, elle s'ouvre, nickel. Et maintenant, je dois aller dans la forêt oubliée. Je dois retourner dans... Ah oui, c'était la porte qui était bloquée la dernière fois.
On va retourner au village parce que j'avais un truc à donner là-bas, je crois. Le sanctuaire de TP qui est à côté là. Puis on va s'y TP tranquillement. J'ai un courrier à rendre. Juste voir où est-ce qu'il est à rendre quoi. Ça c'est pas encore des zones débloquées. Ok, donc là c'est un truc avec la forêt oubliée. Et comment je fais savoir pour savoir c'est laquelle que j'ai moi? C'est cool, à chaque partie je peux revenir sur des trucs que j'avais déjà ouverts. On va voir là-bas, il y avait des maisons je crois aussi de ce côté-là. Faut aller de l'autre côté pour l'ouvrir sur ce truc là ou je sais pas trop. Alors par où est-ce qu'il faut passer? Peut-être par là. Je crois que quand il y a le signe, c'est que c'est là où je dois aller. Ouais, c'est ça. Plus de nettoyer. Bon, il y a un peu de mousse quand même sur le toit. Je suis désolé, mais... Oh, des coccinelles, trop marrant. Ah, ça s'ouvre pas parce que le truc est plein de merde. Bon, bah nickel, là on a fait le tour de cette baraque.
Je vais juste voir au niveau du pont parce que ça me paraît bizarre de pas pouvoir le... Ah non, je peux pas encore le péter. Je crois que c'était ici que je pouvais récupérer ça, ouais. Ah si, c'était déjà cette forme-là, bon, en fait, j'ai rien... Je sais pas si je peux le passer à travers et le casser quand même, là, les... Non. Ce sera pas comme ça qu'on les pète. Je sais pas si avec ça, je peux aller jusque dans le visage aussi pour casser le truc que j'ai vu, là. On va essayer de voir. Oh putain, mais oui, dès que je fais pour courir, ça m'enlève. On va voir, mais je crois pas que je puisse aller jusque là-bas. Oh, un peu tendu. Il a quand même un peu de mal à suivre. Je sais plutôt par où c'est là déjà. Je crois que c'est par là. Là je crois que c'est juste là. Ah bah c'était bien ça. Eh ben c'est pas mal quand même hein, pour cette petite session. Je pense que je vais prendre ma pause là et puis on va revenir tout à l'heure pour du Elden Ring donc. Et puis je reprendrai le let's play Kena demain, donc demain après-midi, comme je vous ai dit, hein, je faisais aussi un stream demain après-midi. Il y a un truc qui s'appelle épreuve là-bas. Bon j'irai voir ça demain, je vais m'arrêter là, et puis après on ira voir ça aussi, la forêt oubliée demain. Donc c'est cool, on a débloqué l'arc, on a débloqué pas mal de petits trucs sympas, donc voilà, le jeu avance gentiment. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon stream, petit Overwatch stream. Non, il va falloir que je fasse 2-3 trucs quand même, parce qu'après je relance vers 21h. On se tient au jeu, peut-être que j'aurai le temps de repasser avant Elden Ring, je verrai. Allez, prenez soin de vous les amis, et je vous dis à tout à l'heure à partir de 21h pour du Elden Ring. Salut !